Le premier album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web www.k6c.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Hostie, Main Bleue et 7D. Visitez le www.k6c.tv pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux hoodies officiels du K6c. L'album Cossessa sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. 1, 2, 3, 5, 8, puis bon, on attend la suite. Si j'avais deux qualités, ce serait un blé avant-gardiste. L'organisation Eye of the Tiger Management présente le premier gala de boxe professionnelle de la série Fight Club 2013 le 16 février prochain. L'événement qui mettra en vedette le numéro 1 mondial de la WBC dirigeant aura lieu au Hilton du Casino L'Acclimie de Gatineau. Billets, tarifs étudiants et informations au 514-632-5666. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le celidors.com. Les rendez-vous du cinéma québécois viennent au cœur du quartier latin, du 21 février au 3 mars. C'est l'occasion de rencontrer des artistes et artisans de notre cinéma, découvrir des films en avant-première et participer aux Nuits enflammées qui font la réputation de cet événement incontournable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez toute la programmation au rvcq.com et via notre application iPhone. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Je pense que c'est le temps d'écouter Décidérer. Boom. Ah, je suis vraiment stressé. Oh yeah. Ah, je suis stressé. Oh, hey, on a, yeah, what's up? On a une heure et demie à remplir. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Into the sea. Il y a du monde qui nous écoute. Puis qui Salut, c'est Julien Bernatché à la barre de Décidérer. Yeah. 95e semaine de consécutive. 95? Oh my god, qu'est-ce qu'on fait pour la centième? Probablement quelque chose qui ne marchera pas. un concours. Pas un grand concours. Pas un concours. Oui. Vous avez entendu la chaude voix de Mathieu Niquette? Salut Julien. Salut Matt, ça va? T'as-tu remarqué, ce matin, je me suis mis dans une position pour être sûr de bien te voir parce que je te trouve beau ce matin, Julien. Trouves-tu? Non. Ah, ben c'est ça. On a entendu le rire de Nicolas Fournier-Larocque. Bonjour. Ah, ouais, voilà. Et ensuite de ça, Maxime Gervais, comment il va? Hey, Crazy Max is in the house. Woohoo! Ouais, tu veux qu'on t'appelle Crazy Max aujourd'hui, tu me dis. Appelez-moi Crazy Max si vous voulez. Est-ce que je peux prendre un. 20 secondes, je voudrais, je voudrais faire un shout-out semaine, entre autres à l'espace public comme d'habitude, mais surtout à nos amis qui sont venus faire le spécial lutte. J'étais pas en studio et j'ai vraiment apprécié l'émission, fait que bravo à tous nos amis. Ouais, j'ai bien apprécié, fait que félicitations à vous. Merci beaucoup. Et si on est dans les shout-outs, moi je tiens à faire un shout-out au Collège de Valleyfield qui nous a accueillis cette semaine, moi à l'animation, les Picbois, Phil Roy ainsi que Pierre-Bruno Rivard. Et on a eu une magnifique soirée. Merci à toute l'organisation. Belle soirée d'humour. J'ai bu quelques bières, oui. Oh, ben, j'en doute pas. Et on est très content de le recevoir parce que ça fait longtemps que c'était prévu. Alex Smith. Allô! Hey. Allô! Et ouais, ah, surprise, il est là, parmi nous. Ça fait longtemps. Il était supposé venir, mais là, il travaillait au salon de l'auto. Tu faisais quoi là-bas? je niais mon sideline quand les gens me reconnaissaient. C'est ça que je faisais. Es-tu humoriste, toi? Non. Je me fascine pour les bagnoles. Je semble là de triper ces bagnoles. Ah, parce que je connais absolument rien d'un char. Je trouve ça inintéressant. Tu faisais quoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais pour Ford Lincoln.
Ouais. On les salue. Il y a des gens qui passaient. Puis tout ce qu'il fallait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attiré à l'ordinateur pour remplir un concours. Mais quand ça faisait comme une semaine, ce travail-là, je commençais comme à développer un petit speech. Ouais. À la fin, j'étais vraiment rodé. Puis tous les clients, ils étaient tous crampés, puis ils se caillissaient du concours, mais ils passaient du bon temps. Puis... Mais ça doit être payant quand même, d'habitude. Ces grosses compagnies-là, d'habitude, ils traitent du bien. Tout, non, pas du tout. Moi, c'était 10$ de l'heure, mais il y a un de mes confrères humoristes qui, lui, c'était 35$ de l'heure. Ouais, c'est ça. Oh. Sauf lui, une fois par heure, il prenait le micro. Ah, lui, il travaillait pour le groupe Tazar. Non, lui, c'était... On les salue. Ah, je sais plus c'était quel char. Je te dis à quel point je manque. Mais ça, lui, il prenait le micro, puis pendant comme... 5 minutes, une fois par heure, il fallait qu'il fasse un gros speech sur le char. Puis là, il y avait moi, puis Martin Racine, un autre humoriste. On était plein d'humoristes qui travaillaient là, qui fait partie aussi des Souriens du Désir. En tout cas, on se mettait comme à 2 pouces de sa face. Puis on écoutait son speech. Puis là, Gabriel Gamasson, il était comme, alors oui, cette voiture 155 chevaux, et en plus, avec 4 cylindres. Et nanana, il faisait son gros speech. Puis nous autres, on était devant lui, les bras croisés, comme, non! Pour vrai! 5 cylindres! Ah, ça fait chier. Hey, Alex, on a un appel. Hey. Décidérez? Oui, bonjour. Ah. Je voudrais dire que je suis un homme d'un certain âge. Ah, oui. Et j'ai une sexualité formidable. Fait que c'est encore possible, même à un certain âge. Ah, tout à fait. Et c'est encore meilleur, je vous dirais. Ah. On développe des trucs, j'imagine. Cool. En passant à Dom, tu frottes ta vaisselle. Bon, on s'en reparlera. As-tu vu mes filtres à café? Les quoi? Mes filtres à café? Ben, ça a l'air que c'est vrai que tu as perdu ces filtres à café. Ah, ouais. My God. Sont où? Ben là, tu as parlé de sa vaisselle. Tu as parlé de vaisselle. C'est ouais. Les c'est ciment, vaisselle. T'as le chance dans le camp, ça décide des rêves à matin. Ouais. Alors, on va préciser que Dominique et Alex habitent ensemble. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je tiens à dire que moi et Max, on a une bien plus belle harmonie. C'est vrai. Depuis que Max commence à sortir la récupération. C'est vrai. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Au revoir. C'est un homme de certain âge. Ben oui, ben oui. Qui a une sexualité les masques sont tombés rapidement. Ben, c'est vite. C'est pas, il a pas défendu le personnage long. Non, ben non. Moi, je l'avais pas reconnu, en tout cas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ben, on va commencer en force avec Nicolas. Ah, tout de suite. Bang, t'as pas de nouvelles brèves? Pas de thème, pas de nouvelles brèves. Pas de thème, pas de nouvelles brèves. Ben, écoutez, je peux peut-être raconter une petite aventure. On va juste pousser un peu. Fallait gratter. Écoute, les aventures de Julien, oui. Ça finit toujours. Toujours. Ouais, ça, c'est ben, écoutez, des folies. Je me promenais hier, je m'en allais au travail. Il y avait il y avait une gang d'enfants, puis il y avait... Il y avait une fille... Il y avait une fille clown. Ça semblait être à peu près de notre âge. Mais c'est dur à dire parce que tu sais, elle a plein de maquillage et une perruque verte. Mais je pense, d'après moi, qu'elle avait à peu près mon âge. Puis je la trouvais quand même. Je la trouvais quand même cute. Je me disais, puis là, je me suis dit, Chris, je le ferais avec une fille clown de mon âge. Ben, pendant qu'elle est déguisée en clown? Ben ouais. Genre en 2 chiffres de clown. Je pense que c'est... Mais décris-nous un peu le clown. Non, mais elle était belle. Non, mais son costume de clown. C'était juste une squeegee, genre, qui, avec le teint blême qui cherchait sa roche. Je ne crois pas que c'était un squeegee. Ben, en tout cas, elle n'avait pas de squeegee dans les mains, mais... Je me suis dit, je sais pas, avec une fille clown cute, non? Tu irais all the way. Une fille clown? Non, moi, pour vrai, là, j'ai peut-être un préjugé envers les filles clowns. Ben, c'est parce que c'est beaucoup les... C'est sûr que les filles qui vont là-dedans, j'avoue que c'est vraiment des filles pleines de bébites, là. Des filles comme... Les filles clowns, ça, ça commence avec... Oh, ben, j'ai été refusé au conservatoire de théâtre, puis un plat à braille en clown. Les filles clowns. Puis là, tu venais tout d'un coup, tu réalises qu'est-ce qui se passe. C'est une fille clown à côté de toi qui braille, puis tu dis « Oh non, je pas... » Peut-être qu'un jour, Nicolas... Un gros mouchoir. Mais quelle ironie. Peut-être qu'un jour, Nicolas pourrait nous faire une chronique sur les filles clowns. Ah, c'est vraiment le sexe féminin. Mais sur 5, en fait, prends les demandes spéciales. Alors, Nicolas, dans 2 semaines, je veux que tu me fasses une chronique sur les filles clowns. Non, en fait, dans 2 semaines, j'ai déjà un backup sur la fellation. Ouais! Mais qui était une demande spéciale aussi, un auditeur, je crois. Oui, j'ai commencé à faire mes recherches. Samuel Drolet, qu'on salue. Des grandes surprises. Des grandes surprises, oui. Vous connaissez pas ça, hein? Pas vu ça beaucoup. J'avais jamais vu Wikipédia aussi graphique. J'ai déjà plein de questions. Mais je vais les garder pour dans 2 semaines. Puis juste pour vous teaser, l'autofellation, c'est possible. Oh! OK, ben on oublie les filles clowns, ça va être la fellation. On va teaser ça. Mais dans 1 mois. Alors, c'était ma nouvelle brève. On va le faire live dans 2 semaines. Oui. L'autofellation. Faut s'étirer avant, par exemple. Ben, j'imagine. L'as-tu déjà fait avec un clown, Alex? Ah, écoute, ben oui, Chris. Approche le micro un peu. Excuse-moi. Ben écoute, faut plus que tu me demandes ce que j'ai pas fait.
Ouais, c'est ça. Ça, hein. Long. Ça se raconte à la radio, j'imagine. Non, pas le matin, pas le samedi matin. Il y a des enfants qui écoutent des bonhommes en ce moment. Ah, bon, on a reçu un appel, excuse-moi, Alex. Bon. Dom! Ça va être bon. Décidérez? Oui, je suis un homme d'un certain âge. Ah bon, vous je appelez, suis ou? Très intéressé par la chronique de Nicolas sur l'autofellation. Je vous souhaite une bonne journée. Vous au aussi, revoir. Merci. C'est pas le gars de Kill Bill, ça? Oui, c'est... il est revenu d'outre-tombe. Bon, ben Nicolas, déjà, on voit que t'es... les gens d'un certain âge. Ben oui. Ben, je pense que ta chronique s'adresse plus aux gens âgés aussi, Nicolas, en général. Ah oh, oui, ben oui, ça prend une certaine sagesse pour un certain comprendre. Âge. Pour l'apprécier. Ben ça, au spécial de lutte, je comprenais fuck all ce que personne disait, là, mais là, la fellation, je vais être... Tout oui. Je vais être... L'autofellation. L'autofellation. Alors, le Nicolas, veux-tu je te mette un petit thème? Ben, pas tout de suite, je vais te... Tu vas nous mettre en... Je vais te fingerer quand c'est le temps. Bon, ça y est. Alors... N'importe quoi. Je voulais faire, juste avant la chronique, un petit shout-out à Étienne, qui m'a fait un super petit programme de calendrier. Vous vous rappelez ma fameuse chronique de vie sur les calendriers? Monsieur Étienne Forêt. Malheureusement, oui. Étienne Forêt, il m'a programmé un petit programme qui permet de savoir jusqu'au moins... J'ai calculé jusqu'à l'an 5000 toutes... quelle journée commence le 1er janvier? Mais ça ne sert à rien, ça, Nicolas. Non, il n'y a pas ça sur Windows. Non, mais là, c'est... Ouais, Windows, c'est ça avance comme des années. Non, ça... non, tu ne peux pas te rendre jusqu'à 5 minutes. Hey, je vais essayer pendant l'émission. Tu ne te rendras pas anyway. Ouais, mais si jamais. OK, ben continue. Sait-on jamais, c'est ce que je me dis. Oui, sait-on jamais. Je vais continuer à avancer le petit calendrier en bas à droite de l'ordinateur. Ouais, là. C'est ça. Je vais continuer à l'avancer. Je suis rendu en 2016 déjà. Alors, vas-y, Nicolas. OK. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler parce que, vous savez, il s'en est fallu de peu hier. On a eu un astéroïde qui est passé assez proche de nous prendre par derrière. Oui. Mais ce qui était le plus sournois avec cet astéroïde-là, c'est qu'il s'en venait en nous disant... Non, je vous toucherai pas, je vous toucherai pas, je vous toucherai pas. Puis pendant qu'il nous disait ça, il y avait une petite crotte qui arrivait par en arrière puis qui se faisait la Russie. Ouais. Parce que vous avez vu, il y a eu un météorite qui a tombé sur la Russie qui a fait quand même un gros bang. Ça a juste tué 1200 morts et blessés. Il n'y a pas eu de mort. Pas eu de mort, mais il y a eu 1000 blessés. Il y a eu 1000 blessés. 1200, les blessés, en fait, c'est presque juste de la vitre qui leur a explosé au visage. Ah, juste ça. C'est un vitre, un astéroïde. Ben, c'est ça a explosé. Le Sonic Boom a fait exploser toutes les vitres. Sonic Boom! Plusieurs kilomètres. Sonic Boom! C'est le passe dans Street Fighter 2. J'ai jamais fait le lien que Guile, c'était des. Sonic Boom! Il brisait le mur du son avec ses poings. Ben oui. C'est la guerre froide, c'est ça. C'était. Moi, je suis pas. En tout cas, mon statut Facebook hier d'un personnage qui fait une courte apparition de Dragon Ball fait un caméo, mais a pas connu un grand succès. Oh! Non, juste un dislike, puis des ouf, puis des... Un dislike? C'est pas un dislike, Julien, c'est le mois de février pour tout le monde. Ouais, je sais, on est fatigué. Alors, donc, pour continuer à parler d'un peu cet astéroïde-là, puis là, pour se rappeler à quel point il est passé proche pour nous faire peur, il est quand même passé à 27 000 km. Et nos satellites qui sont en orbite géostationnaire, les plus loin, sont à 36 000 km. Donc, il est passé entre ces satellites-là et la Terre. C'est quand même assez proche. Ouais. Mais on savait qu'il ne nous toucherait pas, bien sûr. Mais on a été surpris par son petit copain. Donc, je voulais continuer un peu dans cette optique-là. J'ai eu quelques nouvelles du monde animal et qui, eux aussi, en fait, sont moins sympathiques qu'on pourrait le penser. C'est quoi le lien avec les météorites? C'est qu'ils font semblant qu'ils vont rien faire et nous prendre par derrière. La sournoiserie animale. Tu veux nous parler de la sournoiserie? En quelque sorte, la sournoiserie. 5, c'est la sournoiserie, dans le fond. Existe-tu, sournoiserie? Maintenant, oui. Ben, c'est un néologisme, ça existe maintenant. Wow. Regardez, je vais confirmer. Il y a une certaine sorte de singe qui s'appelle les galédas sauvages. Oui. Et puis eux, ils fonctionnent un peu, sont un peu comme les mormons. Là. Il y a un mâle et puis il y a plusieurs femelles. Et puis... C'est pas les musulmans, ça? Ils se demandaient... les musulmans aussi, mais les mormons, ils en ont encore plus, il me semble. Je sais pas. Ça me semble plus basé. Si on a un mormon, un musulman à l'écoute d'un certain âge, Les galédas. Si on rassemble beaucoup. Donc les galédas, de mormons et de ils se demandaient ceux qui les observent parce qu'ils font ça beaucoup. Ils les observent toujours dans la nature et puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passe pour les autres mâles qui n'ont pas la chance d'être le top dog. Et puis est-ce que quand l'autre ne regarde pas, est-ce qu'ils ont des actes sexuels avec les femelles du harem? Donc, ils les ont observés. Sur une météorite. Ils ont remarqué que les femelles, quand ils sont avec le mâle dominant, font un son très caractéristique, un grand couinage. Peux-tu le faire, assez élevé. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo, donc j'ai pas entendu leur couinage spécifique. Ouais. Alex va nous le faire.
Ah non. Tu pourras pas le faire deux fois, il s'est étouffé. C'est une vieille galéda. C'est samedi matin. Je profite du malaise pour dire que sournoiserie existe bel et bien. Ah, bon, ben, voilà. Quel malaise. Celui où t'as failli mourir. Donc, ils ont observé en fait que quand le mâle dominant se tourne le dos, en fait, les plus jeunes mâles vont s'essayer avec les femelles. Les femelles sont très willing à aller avec ça, mais ils vont faire moins de bruit. Donc, ils vont cacher leur bruit, ils vont faire ça en regardant toujours à gauche et à droite. Pour pas que le mâle dominant... Pour pas que le mâle... Donc, il y a de l'infidélité chez les galeda. Pendant qu'on a le dos tourné, l'infidélité, ça mène au drame. Les singes le font en silence. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, il y en a l'homme est un loup pour l'homme. Ouais, le galeda aussi. Est un En parlant de un loup pour l'homme, le... il y en a un qui est assez... tout le monde connaît les loutres. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez du vidéo YouTube des deux petites loutres qui se tenaient par la main. Oui, j'ai vu ça l'autre jour. Merci tout le monde, à la semaine prochaine. Voilà. Tout de Max. On fera pas mieux. Crazy Max, il porte bien son nom, on va le dire. Duro Max. Tout le monde trouve ça très cute, les loutres. Ça se prend sur le dos, ça a un petit bedon, puis blablabla. En fait, ce qu'on apprend, c'est que ce sont des nécrophiles, pédophiles, meurtriers, batteurs de femmes, en réalité. Un peu comme toi. J'avais déjà parlé des canards. Ah oui, parle-moi ma musique, c'est vrai, j'ai oublié. T'as de la musique. J'avais déjà parlé des canards malards. Les canards malards, eh bien, c'est... Ah oui, ta musique, oui, j'avais oublié. Ça ressemble qui violait dans les airs au vol, puis après ça, qui quand l'autre était mort, qui continuait de violer. Ben, c'est très similaire, en fait. Ce qu'ils font, c'est que ces loutres-là, dans la baie de Monterey, en Californie, eux aussi, en fait, sont polygames. Ils ont des harems. Et puis, il n'y a vraiment pas beaucoup de femelles dans ce coin-là, parce qu'il y a eu, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a eu, une syphilis de loutre ou quelque chose comme ça. Et puis là, il y a vraiment moins de loutres. Donc, les petits loutres mâles, ils n'ont pas de femelles presque, parce que les loutres, les top dogs loutres, ils gardent leur territoire et toutes leurs femelles. Donc, eux autres sont complètement en manque. C'est pas rapport avec les météorites. Et puis là, ça va pas bien quand ils sont en manque, parce qu'il y a des phoques dans cette baie aussi. Oh non. Alors là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le bébé phoque. Ils vont le mordre dans le cou, ils vont lui tirer le nez, le museau avec leur griffe. La SPVM faisait ça aussi. Ils vont le noyer un peu, le tourner un peu dans l'eau jusqu'à temps que peut-être il se noie, puis ils vont le violer sauvagement, peut-être qu'il est encore en vie, peut-être qu'il est encore mort. Ouais, Brigitte Bardot sera pas contente. T'as voir ben, l'étincelle des yeux de Nicolas. Dans le bain, Maxime. Ce qui est assez intense avec ça, c'est que même quand le phoque est mort, ils peuvent garder le cadavre pour leur plaisir sexuel jusqu'à une semaine. Ah. Et se le passer entre amis. Tu serais bien dans cette société-là. On dirait que c'est toi qui es. Ils sont tellement pas habitués de fourniquer de manière convenable que même lorsqu'ils arrivent à avoir une femelle, souvent ils la noient. Par habitude, dans le fond. Oui, par habitude, parce que c'est comme des petits frustrés, puis ils savent pas comment gérer leur relation. Je veux dire, là, je sais que je m'appelle Crazy Max, mais jamais je vais aller aussi crazy que ça. C'est bien ça. C'est pas mon type de crazy. Moi, je suis un crazy qui a du fun. On en avait vu des loutres hein, à Banff. Oui, c'est Maxime. Vrai. Oui, c'est vrai. On avait été surpris par des loutres qui ont fait des choses. On est dans le fond, on a failli se faire violer. Si je comprends. C'est que je me dis, tu sais, un enfant qui se baigne, c'est un peu la même taille qu'un bébé phoque. Très attention. Après ça, quand tu passes toute ta vie à t'être fait violer par une loutre enfant, c'est... Ben, la plupart ne survivent pas. C'est de la misère à aimer. Ils les font tourner dans l'eau pour... parce qu'en fait, quand ils font l'amour, ils tournent le bord, puis ils enfoncent la tête sous l'eau pendant qu'ils pénètrent. On appelle plus ça faire l'amour. Mais ça, c'est... Ouais, c'est vrai que je ne ressens pas beaucoup d'amour. Ah, la loutre, hein, une créature sournoise. Ouais, c'est pas de dire, Crazy Max. Donc, pensez à ça quand vous les voyez se tenir la main. C'est comme des météorites, les loutres. Oui. Et puis, t'as violé. Ben, une petite finale qui est plus sympathique, tout aussi terrifiante. Bon. C'est les limaces de mer. C'est les pires. On sait tous qu'ils sont hermaphrodites, donc ils ont un pénis et un vagin. Oui. Et ça, Tony. Quand ils font l'amour, ils se pénètrent parfois simultanément. Ouais. C'est possible, ça a été observé, puis c'est fascinant à voir. Ouais. Ce qu'ils ont découvert, par contre, récemment, c'est qu'en fait, il y a une partie de leur pénis qui se détache après l'acte. Oh, ça, j'aime moins ça. Mais ça reste un mystère. Il y a un tiers du pénis qui tombe après l'acte sexuel. Et puis, des fois, ils peuvent vraiment s'accoupler, mettons, trois fois de suite. Et puis là, ils n'ont plus de pénis. C'est ça. Mathématiquement, s'ils enlèvent toujours un tiers... Oui, il en reste toujours un peu, effectivement.
Ah, tu enlèves un tiers de... Il enlève un tiers du total. OK, OK. Quand t'es au-dessus des maths, là, maintenant. C'est ça, à cette heure, il devrait chier pendant 3 ans. Puis mais c'est, quand même, c'est quand même intense perdre des bouts de son pénis. Ben, exactement, là, c'est ça qui est terrifiant. Je connais des personnes qui ont perdu des bouts de pénis, et croyez-moi, le futur est moins radieux. Ben, moi, je connais des personnes, pour éviter de perdre des bouts de pénis, ils se mettent des bouts de métal dans le pénis. Ben, la chose aussi, c'est que surtout, si nous, on perd un bout de pénis, ben, c'est le bout. Deux. Donc, les deux dans... donc, plus de bout de pénis. What's the point? Plus de bout, plus de fun, comme on dit. Non, c'est ça, exactement. Et là là. Mais toujours, tu sais, ce qui est étrange avec ça, c'est qu'il y a plusieurs créatures dans le monde animal qui perdent leur pénis après l'acte sexuel, mais c'est pour économiser de l'énergie. Ouais. Parce que c'est un appendice qui leur est inutile après avoir copulé. Ben ouais. Par contre, eux, ils copulent parfois très souvent et ils comprennent pas puisque ça repousse à chaque fois. Ah, ça repousse? Oui, ça repousse à chaque fois. Ah, ben là, là c'est super d'abord. Ça, c'est sournois. Ben, moi, j'ai des amis qui, quand ils sont faits des blondes, ils ont perdu leur couille. La seule théorie, en fait... Je niaise, les boys. La seule théorie qu'ils auraient, c'est que comme le pénis du chat, ils ont des épines renversées pour enlever le sperme des compétiteurs. Donc, peut-être que le fait de perdre son pénis, ça bloquerait le pénis dans le vagin de l'autre. Ça serait comme un petit bouchon. Exactement. Et puis, ça empêcherait les autres de fournir. Ah, ça peut être pratique, ça, des fois. Peut-être. Ouais. Risque d'infection, par contre. C'est des... Fait que les météorites, on fait quoi, dans le fond? Les météorites, ben, comme nous, c'est quoi, nous une disent météorite? les scientifiques, un météorite qui passe proche de la Terre, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait, là? Une manière de l'univers de nous dire, hey, comment va votre programme spatial? Est-ce que ça avance bien? C'est comme faut s'y mettre. Ah, faut voir, ouais, OK, d'accord. Ouais, parce que ça recule aussi là. Je pense que c'est un signal cosmique qui nous challenge. Ouais, genre, c'est comme hop, 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 hop. Vous y retournez pas ça là, hein. Ah, prochaine fois peut-être. Et Bruce Willis quand vous avez besoin de lui. Ouais, c'est ça. Ça serait plate qu'un météorite passe puis qui entre en collision avec la lune, en passant, qu'on n'ait plus la lune. Une météorite. Ouais, une météorite. Ouais, ouais. D'accord. Mais si qu'on ait plus la lune, tu sais, que la lune soit passe mais personne la voit, est-ce qu'elle a vraiment passé? Ça, c'est assez crazy. Des fois, je pense à des choses comme ça. C'est crazy. Je comprends pourquoi t'es crazy. Ben oui. C'est ça qui t'a rendu crazy ou t'es crazy à cause de, tu sais? À cause de Crazy Lune. Crazy, c'est mon nom, ça, quand j'anime des fois des émissions de jazz, puis je m'appelle Crazy Lune. Ah, ouais. Ouais, c'est ton émission de jazz qui joue à 2h du matin à Choc. Ouais. Crazy Lune. Crazy Lune et les insensibles. Ça se joue de 2h à 5h du matin, ça. Les mardis. Ouais. Puis je parle tout le long. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de jazz. Mais c'est une émission de jazz. Ouais. Ah, oh, les gars, je ressens plus rien. Il y a trop de boucanes de cigarettes dans le studio. Le soleil se lève. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Ah, je voulais dire une dernière chose. La personne sur Facebook qui m'a dit qu'il y avait un calendrier pour moi, j'aimerais bien ça l'avoir. Donc, ouais, ça peut me le donner. Nous autres, quand on a des promesses, on les tient. C'est fait ça, que ça marche dans les deux sens, là, OK? Là? Ça prend du temps, par exemple. Oui, ça peut être long, mais fait que ton T-shirt s'en vient, Étienne. Fait que sur ça, puis ta cassette, Cédric, s'en vient de Horreur. On va continuer avec... Il doit deux cadeaux. Oui, on continue avec Hôtel Morphée, avec dans sur les toits, en tout cas. Ah, j'ai baissé le son. C'est de la musique. On va leur commencer. Ah, on leur commence. Ben oui. Bon, ça commence là. Salut, c'est moi le requin. Chaque semaine, j'écoute des si et des ré. Puis là, on va mettre une chose au clair là. Mon nom, c'est pas Jazz. C'est le nom du film Callis. T'appelles-tu Bruce Willis d'ailleurs, toi? Ben c'est ça. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse gronder le moteur. Défiler les acteurs. Descends doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Encore plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. Que le temps s'évade.
Je sais que tu es vieux, mais la vie reste en jeu. Je te jure que je vais t'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond. Salut, c'est moi, Jean-Pierre Fernand. Je suis Pull Ricard et j'écoute Décidérez. Salut, Piaf! Jean-Pierre Fernand. Ben oui. Il semble s'être nommé Jean-Pierre Fernand. Dans son... un petit peu trop de Ricard. Ouais, je vais écouter, moi, je pense qu'il est Jean-Pierre Fernand. Oh, salut, c'est moi, Jean-Pierre Fernand. Ça pourrait. Ça, c'est un L du nez. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas Jean-Pierre Fernand, c'est ton ami. Ou... C'est Jean-Pierre Fernand. Jean-Pierre Fernand qui nous a envoyé ça. Salut, Charles Ricard. Jean-Pierre Fernand. Salut, Jean-Pierre. Merci de nous avoir envoyé ça. Sonne comme le requête jazz un peu. Fait qu'on va continuer en force avec notre ami Alex Smith. Comment il va? Hey, t'as-tu le thème invité? Je l'aime. Oui, je l'aime. Je voulais le jouer. Alex, on a un beau thème pour toi. Ah, oh, wait donc. Ah ouais. T'es l'invité à décider. Woo! Assis-toi, ça va être t'en parler. Woo! Ah! Wow. C'est comme un cliff à la fin. Oui, c'est un build-up, il faut que tu maintiennes cette intensité-là. Donc, ok, moi, je vais essayer ça. Ok, je me lance. Ouais, cool. Ben écoute, moi, mon micro, il y a comme un spring. Ils en ont tous un. Ok, ils sont tous de même? Ouais. Ok, ok. Bon, ben moi, ça fait longtemps que je t'appelle. Il faut quand même que tu le tiennes proche de ta bouche, pareil. Ouais, ouais, okay. Oui. Je pensais que je pouvais juste jouer avec. Fait que... Ben, tu peux, mais les auditeurs le voient pas. Puis... Faire de la moins bonne radio. ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rebaptisé ma chronique. Ça fait longtemps. Je comprends. Hein? Il y a la suite des idées et tout. En fait, ça se passe. J'ai écrit ça genre en octobre. OK. J'essaie de parler d'actualité. Ça fait longtemps, c'est le cas de le dire. Ça fait comme très longtemps. Fait que tenez-vous bien. Ça se peut que tout ce qui suit soit
d'aucun intérêt, bon. D'une exactitude zéro. Faire changement, décider. Après la chronique année qu'on fera pas différent. Oui, mais lui, au moins, ça se base sur des faits. Ah, moi, il y a c'est arrivé hier, les météorites. Moi, je te parle de choses. En tout cas, je l'actualité, ça va vite maintenant, de nos jours. Là. Ouais. On a l'air digital, là. Fait que ça va aller comme suit, OK? Parfait. Fait que là, j'ouvre mon Word, parce que non, c'est pas tout improvisé. T'aurais pu ouvrir le Word pendant la toune tantôt. il est là. Okay, ouais. Fait que, ouais, ça serait stupide de pas profiter des ondes pour discuter de l'élection présidentielle aux États-Unis, hein? Oui. C'est vrai. Yeah. On n'a pas parlé vraiment ici. On n'a pas vraiment parlé, non. Hein? Non. Il serait peut-être temps. c'est ça, d'ailleurs, c'est Obama qui a gagné contre l'autre, là. Je crois, oui. Bill Cosby. Bill Pullman, je pense. c'est ça. Bill ça. Cosby. Ok, il a gagné, mais tu sais, ça fait longtemps, ben c'est ça. Bon, un autre sujet. Ouais, c'était vraiment, c'est vraiment bien écrit. Ça, c'était ça la chronique? Ça, c'était l'intro. Ok, l'intro. Ça serait bon de pas en parler. Je commence à comprendre le ton que ça va avoir. Ouais? Ou l'absence de. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Fait que c'est ça, ben un autre sujet, moi, je pense qu'au cégep, on juge mal. Tu sais, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu le combat de Lucien Bouté? Oui. Ah, oui. Je sais plus de quel on parle, c'est ça, ça, depuis. Ça doit être contre Gratchev. Ouais, contre chose, là. Gratchev. Ouais. Le joueur d'échecs, là. Oui. C'est le joueur d'échecs. Des blues. Okay. C'est ça, puis moi, j'écoute pas ça, la boxe, mais ça, là, je l'ai regardé par inadvertance, un autre mot que j'utilise peu et que je maîtrise mal, inadvertance. Puis, Bouté, il s'est fait dominer du début à la fin, puis il a gagné par décision les juges. Mais ça fait un bout, hein? Ça fait... Dans ma face, hein? Ben. C'est ça, il a gagné par décision, tu sais, puis c'est parce que le combat était à Montréal, tu sais. Mais ça, c'était à l'époque. Ouais, c'est exactement. À l'époque, il a gagné son dernier combat, si c'était le dernier qu'il a fait. Puis ça, il a gagné par décision des juges, justement parce que c'était à Montréal. Parce que s'il n'avait pas été à Montréal, il n'aurait pas gagné. Ah ben. Fait que ça m'écœure bien raide. Fait que justement, à cause de ça, je me suis dit « fuck la boxe ». Puis à place, moi, écoutez le UFC du 17 novembre. On écoutera ça tant que le 17 novembre. Georges Saint-Pierre va se battre contre Carlos Condit. Ah ben, c'était un rendez-vous. Une chronique, ça fait longtemps. C'est assez riche quand même. C'est riche. Tu peux essentiellement parler de beaucoup, beaucoup de choses. Là. C'est ça. Faire des chroniques, ça fait longtemps plus souvent. C'était la seule jamais. Puis je pense que ça va être la dernière. Sérieusement. Ben non. Fait que c'est ça, on souhaite bonne chance à Barack puis à GSP pour leur combat à venir. Pour ce qui s'en venait. Donc, pour simplifier, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, faut que pour juger un combat, c'est comme juger les élections présidentielles américaines. Tu sais, c'est la même affaire. T'sais, tu te retrouves tout seul dans ton salon à gueuler après ta TV que l'autre aurait dû gagner. Puis t'es comme, come on, check the chest, man, check the chest. Moi, il va avoir mon vote. Je te mets mon BS. Je te gage mon BS, c'est lui qui va gagner, tu sais. Tu sais, au Québec, on juge mal. Ouais. À mon avis, personnellement, dans mon livre à moi, de mon point de vue, il y a des gens qui se basent trop ses chests et ses ceintures pour jouer un combat. Tu sais, comme moi, Barack, j'ai déjà vu en bretelle. Oh. Oui, cool. Est-ce qu'on me suit, là? Oui. Obama, il n'y a pas de ceinture. On suit bien? Il n'y a pas de ceinture. Ouais. Non. Ben, il n'y en avait pas, en tout cas. Ouais, non, il n'y en avait pas, mais... En tout cas, les gens engagent leur BS à tout vent, hein. Ouais, ben, faudrait que j'arrête de gager ça, parce que... On voit que ça donne. fait que vous me suivez? Oui. C'est ça, je disais, on juge je commence mal à avoir un peu de misère. On juge mal au Québec, si vous me suivez. C'est ça, c'est vraiment ça. Ce qui nous ramène... Ouais. Tous au 22 mai 1980. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mai 1980, les boys? Le référendum? Non. L'actrice britannique Lucy Gordon est née. On se rappelle tous d'elle? Elle joue dans Les Contes d'Avonlea. Peut-être. Je ne sais pas c'est qui. Aujourd'hui, âgée de 33 ans. On le rappelle. À moins qu'elle soit morte. Mais le 22 mai 1980, il y a une autre personne qui est née, OK? Je vais vous donner un indice. Il a l'air d'un Babybel, puis je ne compterai pas sur lui pour déménager un piano à queue. Nicolas? Ah, c'est une bonne réponse, mais c'est pas ça. Mais je parlais de Pac-Man. Pac-Man et Lucy Gordon sont nés le même nez. Puis il va faire un petit historique de Pac-Man. Pac-Man, au début, son nom, c'était Paku. Mm. Oui. C'était un japonais, Paku. Puis il est devenu Pac-Man. Puis ça ressemblait trop à Fuck. Il en parle dans Scott Pilgrim. Ouais. Tu lourds ça? Ouais, je l'ai vu, mais je dis pas le même bout. Tu vas voir, il sort bientôt, Scott Pilgrim. Il sortait en maudit, là. Il sortait bientôt.
Il a pas marché au box-office, par ailleurs. Je trouve ça bon. Oui, c'était bon. Ben, je vais le trouver bon, je veux dire. Ouais. Puis c'est ça, puis c'est ça, Pac-Man, c'est devenu Pac-Man, puis ça ressemblait tôt à, ça ressemblait trop à Fuck-Man. Puis là, il y avait peur que les petits gars des arcades fassent le P, puis ça fasse Fuck-Man. Je peux comprendre aussi. Fait que ben là, oui, ben ça oui. Pour Pac-Man, finalement. Ben oui. Quoique Fuck-Man, ça aurait été viril. Ouais, mais ça serait mal vendu. Venant d'une petite bébelle ronde qui mange des graines, moi, je dirais que... Oh! Salut, c'est moi, Fuck-Man! Crazy Matt! C'est ça, puis 29 ans plus tard, il y a toujours le même nom. Hein? Puis Lucy Gordon aussi. Oh, même elle joue dans quoi, Lucy Gordon? Sauf que Lucy, elle s'est pendue dans son appartement à Paris. Pac-Man, il n'y a pas de coup. Ce que j'essaie de dire aux enfants qui nous écoutent, c'est que il faut pas avoir peur de manger des kilomètres de graines, même s'il y a des fantômes qui essaient de te pogner en sandwich. Tu sais? Faut garder la tête haute. Puis Lucy Gordon, là... Elle a eu trop peur. On la connaît pas, OK? Puis elle est morte, hein? Ouais. Puis j'aurais pu aller sur MDB savoir c'est qui. Ben là, je l'ai mais c'est moi, toi là. Qui vas y aller, OK? Ouais, elle joue dans Gainsbourg. Elle joue, elle joue dans Spider-Man 3. Bon. Oh, ouais. Ouais. Elle faisait qui dans Spider-Man 3? Elle faisait, on s'en souviendra, Jennifer Duggan. C'est-à-dire? Okay. Fuck. Elle faisait Venom, c'est ça? Non, elle faisait pas. Elle faisait Venom. Venom s'appelle Jennifer. Ils ont pris des petites libertés. Bah, elle aurait probablement fait un Venom plus viril déjà que celui qu'il y avait dans le film. Hey, Topher Grace, il a fait une bonne job. Là. Hey. C'est le scénario qui était merdique. On va prendre des gars de That 70 Show. Anyway, on s'en sac de Spider-Man 3. Oui. C'est vrai. Hein, les boys? Oh, oui. On va pas se chicaner à cause de ça, là. En tout cas, allez louer ça pour par respect, allez voir comme faites comme moi, par respect, allez voir ses photos sur... je suis pas allé sur IMDb, mais je suis allé sur Google. Oh, c'est une belle femme. Google Images. Puis ce que je pourrais dire sur elle, c'est que dans le fond, sur une échelle du throat fuck, c'est comme une coche au-dessus du casque de Shaboom, tu sais. Ce que j'essaie d'illustrer dans mes propos, c'est que quand la job est faite, elle est toute démaquillée, là. OK. Je sais pas si vous me suivez. Je vois ce que tu veux. Il y a le clown. Fourrer des clowns, non, genre. Ouais, on y revient, hein, sans s'en rendre compte. Hein. Moi, je t'avais posé la question au début d'émission, je t'avais spoté. c'est lui qui a écrit ma chronique. Fait que, mettons, toi, Julien, t'arrives dans l'appartement de Lucy Gordon, là. Oui, par exemple, je la trouve... Elle décédée, là. Oui. Tu sais, mais le corps est encore chaud. Ouais, c'est ça, il est encore chaud. Il est encore chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la loutre? Je vole ses bijoux. OK. Ouais, c'est... Je m'en vais les parner. Je m'en vais au pub. Je ferais pareil. Dans le fond, je pense que c'est une bien meilleure réponse. Ben, bon, regarde, tu vois. Non, mais c'est parce que anyway, tout ce qu'on on le sait, hein, quand ça se passe en voyage, tout ce qu'on fait en voyage, ça compte pas. Il y a plein de monde qui font ça. T'sais, ils trompent leur chum, leur blonde. C'est comme, oh, mais je suis en voyage, ça compterait pas. Fait que là, tu seras en Angleterre en voyage, puis tu pourrais... Ben, si ma blonde était à Nouveau-Brunswick, peut-être je me poserais des questions. On s'en reparlera tantôt. C'est un exemple. Hey, c'est un exemple. J'aurais pu dire Alberta. Oui, oui. Mais non. T'aurais dû. Bon, il faut pas juger, là, tu sais, les blondes de l'un, l'autre, ou whatever, tu sais, parce que comme moi, sur mon Facebook, j'ai des chimères, tu sais. Ben oui. Puis je me gêne pas pour les pokés, mais je dirais jamais ça à la radio. Je suis pas un petit câble. Tu pourrais les inviter, d'ailleurs. Oui, mais tu sais, une chose à la fois, tu sais, parce que, en tout cas, si j'ai poké une chimère sur mon Facebook, c'est parce que tu sais faire comme une pierre deux coups, tu sais, parce que c'est parce que j'ai une tache sur mon divan, puis je me dis que la chimère, elle est sûrement capable de, tu sais, de l'ôter ou de laver ça. Ça, c'est la chimie, je pense. Ouais, entre autres. Si la tache part pas, je veux dire, elle est équipée pour pogner le divan tout seul, puis crisser sur le bord du chemin, tu sais. C'est ça l'avantage d'une chimelle. Ouais. C'est comme une queue de fer dans un string de velours. C'est comme tu peux. Des mon string de velours. J'espère que tous nos auditeurs chimelles ont entendu ça. Ma chimelle d'amour. Je vais souligner celle-là. Alors, ils sont tous soulignés parce qu'il y a des fautes dans tes mots. Ouais. Joke de Microsoft Word. Ben oui. Ben, tu sais, un politicien hypocrite, là, hein, un autre changement. On revient à Barack, je pense. Ouais, c'est tout dévendu. Ouais, ben, politicien hypocrite, c'est comme un proctologue aux doigts trapus, tu sais, ça rentre mal. Tu sais, puis en ce moment, on sait pas si c'est Obama qui va gagner. T'sais. Non, en ce moment, on le sait pas. C'est comme un mystère. Et puis GSP non plus, on le sait pas, tu sais, puis si les deux gagnent, je pense qu'on se retrouvait dans un monde meilleur, puis moi, rendu là, il va falloir que je fasse ma part, puis je vais m'inspirer un petit peu de Barack puis de George, fait que je vais faire violence aux individus de race noire. Bon, je pense que ça résume un petit peu l'idéologie américaine. Ça fait longtemps! Ouais, mais oui. Tu sais, honnêtement, j'ai peur que Barack passe pas.
Ouais. Puis s'il passe pas, puis c'est l'autre, le Romney, qui va gagner, je vais venir à l'émission, puis je vais faire un défi. C'est quoi? C'est lui qui décide le défi, moi. Tu sais que t'avais. Ça arrête là. Ah, ça, c'est la dernière ligne de ta chronique, ça? Ouais. Ok. Ouais. Ah, ça fait bon, ben, là, à date, on a eu une chronique sur la sournoiserie et ça fait longtemps. On en est en force. En tant que 95 émissions, là, vous comprenez? Ouais, mais ça fait longtemps. C'est bien weird. Ça fait un peu. Ouais, mais c'est un peu laboratoire, justement, parce que c'était ça. Oui, mais non, mais c'est un premier jet d'octobre. Premier jet. Depuis le temps. Un premier jet. J'ai tellement maturé. Ouais, t'as mûri, on peut presque dire, même. Sous un jet d'octobre. Ah, oh, wow. Oh, ça ferait un bon nom d'album, ça. Ben, ça va être le titre de ma prochaine émission de Crazy Lune. Sous un jet d'octobre. Écoute, faut qu'on fasse un défi des ramener que t'es juste, t'es tout seul. Tu fais Crazy Lune. Crazy Lune, non, on verra. Ben, moi, je suis pas fermé à l'idée, hein. Non, j'ai plein de psaumes. Moi, je fermerai pas mes oreilles à ça, définitivement. Ben, merci beaucoup, Alex. Merci Alex! Ouais, merci Alex! Merci! T'es officiellement réinvité. Là. Ah, c'est bien fin. Malgré ça, j'ai l'impression, tu sais, à l'école du mot, tu fais des vendredis des fois, là, puis t'en fais des mauvais que tu te rappelles. C'est un parallèle. Quoi, tu parles de ça? Ça a bien été, Alex. Hey, on a connu tellement pire, là. Ouais. Ça, ben écoute, ça me rassure. Nicolas, depuis le début, là. Je parlerai plus d'actualité, je pense, non. Ben, tu maîtrises bien ça. Moi, j'aimais ça fait longtemps. C'est juste parce que ça te prend du temps à digérer l'actualité. Ouais. On va parler d'autre chose. Ben, merci beaucoup, Alex. J'ai un thème, m'en venir avec. Ah, on va t'en pitcher des thèmes. Fais-nous une chronique sur. C'était quoi le sujet tantôt qu'on voulait, là, demander à Nicolas? Là, donc. Les femmes clowns. Fais-nous une chronique sur les femmes clowns. Peux-tu faire ça? Non. Ah, okay. J'ai oublié de parler de mon ex. Oh! Ben là, c'est vrai. On la salue. C'était vraiment une clown? Ben non, mais elle se faisait dire que c'était un clown. Tu sais, le... Ok, clown. Le clown. On continue avec mon ami Mathieu Boudreau. On qui va a fait, qui a fait de la musique. Il a fait un jam le 13 février au Café K.O. Puis il a mis ça sur Bandcamp. Puis je trouve ça bien cool. Fait que c'est un jam de Mathieu Boudreau. Là, tu sais ça. Parfait. On le salue. Il est venu une fois à l'émission. Ben oui, ben, je me souviens. Il était là. Il avait été fort gentil. C'était les deux Mathieu très gentils. J'espère qu'il va revenir. Bonne chronique. Oui, c'était bien le fun. Il vient de Havre-Saint-Pierre comme moi. Alors c'est ça. Allô, ici Léo Bureau-Bloin. Vous écoutez Des Scies et des Raies. Thank you.
Ben salut tout le monde, moi c'est Léopold Lozard là, puis ben franchement là, moi j'écoute des si et des ré. C'est la chronique à Mad Sauce. Salut tout le monde, ça va bien? Crazy Max! What's up, Crazy Max? Oh, depuis le début de l'émission, je me dis, qu'est-ce que Crazy Max va nous sortir de son chapeau? Hey, la gang, j'ai préparé une bonne chronique pour vous autres. Ok, cool. Êtes-vous crazy? On est fucking crazy. Crazy! Il est fou dans la tête, ce style-là. Je sais pas comment. Je pense que c'est dangereux de rester autour de lui. Comme pardon? Ça. Vas-y. C'est l'effet Crazy Max, hein? Ouais. OK. Aujourd'hui, je reviens un peu à mes anciens amours. Une petite chronique rock'n'roll. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur l'histoire du rock. Ouais, tu nous avais fait une chronique sur l'histoire des Ramones. Lester Bangs aussi, que j'avais parlé. En tout cas, je reviens un peu à ça. Et sous la forme d'anecdotes, hein, parce que l'histoire du rock, un peu comme les gens qui vont aimer le baseball pour toutes les légendes que ça contient, ben, le rock'n'roll, c'est un peu la même affaire. T'sais, oui, il y a l'aspect j'aime la musique, mais aussi l'aspect toutes les sagas, puis les anecdotes, puis tout ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme une petite sélection pour vous autres d'anecdotes. Que je vais vous raconter. Les choix de Maxos. Les choix de Maxos. Et est-ce que vous êtes crazy? OK, vous avez l'air assez crazy. Ben, on part ça. On embarque tous dans mon crazy train. Choo-choo! Crazy train! Complet, le train complet, il n'y a plus de place. C'est ça que j'aime, depuis que l'émission dure 1h30, on peut se permettre d'être crazy. On peut le formuler comme ça, oui. Avant de commencer, je veux juste vous raconter, vous savez, pour ceux qui écoutent souvent l'émission, vous savez qu'à un moment donné, j'ai eu des déboires avec des condons. Je voulais parler d'un livre, puis il y avait des condons qui étaient tombés du livre, puis ça m'avait... Du livre Les Fourmis. Ça, oui. Je vais poster le lien du fou rire sur la page Facebook. T'es incapable de faire ta chronique. Et là, imaginez-vous donc, c'est pas des blagues. Hier, je suis dans le métro à une heure de grande écoute, mettons. Oui. Il y avait beaucoup de monde dans le métro. Oui. Et je sors un livre de ma poche pour le... pas les fourmis. Non. Et puis, il y a un condon qui est tombé, encore une fois. Mais là, il est comme tombé devant tout le monde. Puis, tu sais, t'as pas le choix de le ramasser puis de faire une petite face de... Yep. C'est quoi ça? C'est ton marque pour garder ta page? Mais non, c'est parce que je sais pas. Moi, j'ai jamais mis de condom dans un livre. Mais je pense que... Je sais pas ce qui se passe. C'est que des fois, tu sais, dans le manteau, t'en mets un, puis là, je mets mon livre dans ma poche, puis le condom s'y glisse. Moi, c'est-tu ce que je soupçonne, Max? Des condoms, non. C'est que t'es comme, tu trouves ça comme trop geek de juste avoir des livres. Fait que là, pour montrer que t'as une drive sexuelle aussi pour les filles, tu sacs des condoms un peu partout. C'est peut-être même pas conscient, là. Ça se peut. Tu fais peut-être ça la nuit en dormant. C'est fort possible. Puis même. Non, OK, j'irai peut-être pas là-dedans. Il y a des bonnes chances pour que le condom qui soit tombé hier soit le même qui était tombé ici. Oh, OK. Le condom d'Aladar. Hein? Tu te protèges pas, dans le fond, tu les utilises pas. Non, mais j'ai dit ça. Pas celui-là. Ouais, mais le condom, il est pas usagé, là. Non, non. Il y a un condom plein de dèches qui tombe d'un livre. Il faut que tu le ramasses. Excusez. Ça peut être parce que là, ça colle, il tomberait pas. Non, c'est ça. Mais il est-tu... Ça ferait pas un bon signe. C'est un magnum, parce que si c'est un magnum, au moins tu peux faire ton frais. Tu le ramasses en faisant Je le dis. Checkez-moi, esti. D'ailleurs, tu savais que. C'est lire, puis j'ai une gueule. C'est avec ton cola qui. Et puis là, on ira pas là. Mais là. Alors pourquoi tu te censures, mon petit Duromax? C'est pas moi qui me censure. C'est censé être rock and roll. Bon, ben là, on part. On part. Ben, c'est parce que. Ouais, c'est ça. Alors, première anecdote rock après cette histoire-là, après avoir les déboires des condoms. On s'en va en 1992. Hein. Vous savez probablement qu'il y a eu beaucoup de chicanes entre deux groupes forts des années 90 qui est Nirvana. NSYNC et Backstreet Boys. Nirvana et Guns N' Roses. Hein, c'était l'eau et le feu. Ouais. Nirvana, d'un côté, qui représente le retour d'un rock peut-être plus sérieux, les lettres de noblesse du rock, un peu à la. Le rocker. Qui a des valeurs un peu à la Neil Young et tout ça. Nirvana représentait ça. Et d'un autre côté, mal, Guns N' Roses qui représentait un peu le rock mâle macho. T'sais, on sait qu'Axel avait souvent des propos sexistes et homophobes dans ses chansons. Fait que tu sais, c'est les deux visions. Là. L'espèce de rock sérieux contre le rock party qui s'affrontait. Ouais, toi, t'es plus party, Crazy Max. Moi, je suis plus Guns. Moi, je suis... T'es plus Guns? Non. De loin plus Nirvana. Mais Crazy Max l'est par contre. Mais Crazy Max l'est plus. Je savais, moi, Axel, j'ai checké des vieux vidéoclips de Guns N' Roses. Puis, mais les clips sont à cool. À une certaine limite, pas nécessairement un clip, il est quasiment chicks. Ah ouais? Tu trouves pas? Mais tu serais pas une fille clown, par exemple. Non, mais il a l'air d'une fille. Il bouge comme une fille. Ben, je veux dire, les années glam rock, j'étais comme...
C'est quasiment sexy, genre, quasiment, c'est quasiment féminin. Mais dans ce temps d'idée-là, moi, la fille d'Hanson... Ah, mal vieilli, je trouve. Ouais, là, mais plus maintenant, mais quand, ouais. J'étais, quand j'étais plus jeune, ça... Mais merci de m'avoir aidé à sauver la face, celle-là. Je suis là pour ça. Pour en revenir à la chicane entre les deux groupes, souvent, il y avait des prises de bec, pas directement, souvent, c'était les crews des deux groupes qui allaient s'affronter dans des joutes verbales. Bon, il y a un moment donné, il y a Kurt et, qui est accompagné de Courtney Love qui se promène dans des coulisses. Et il croise Axel Rose. Et là, Courtney lance une craque à Axel. Et là, Axel se retourne et dit à Kurt, tu devrais tenir ta chienne en laisse. Puis il dit de ne pas parler. Il dit de se fermer à gueule. Okay. Il dit, you should tell your girl to shut up. Et là, il y a un long silence. Tout le monde se demande ce que Kurt va faire. Kurt se retourne vers Courtney Love puis il dit, shut up! Ça a fini là, ils ont parti arrêter puis tout le monde est parti. Mais c'était tout le temps ça, cette tension-là. Oh, et là, ça nous amène en 1992, alors qu'au MTV Music Award, Nirvana joue. Oh. Et là, évidemment, ça sème le chaos un peu. Et en arrière-scène, à la fin, je pense que Kurt monte sur un piano. Il y avait un piano en arrière-scène. Et là, Kurt se dit, ça doit être le piano de Axel. Fait qu'il commence à cracher sur le piano de Axel, comme pour l'insulter live, tu sais. Ouais. Et finalement, il se rend compte que c'est pas le piano d'Axel. C'est le piano de Elton John. Oh, pauvre Elton. Il a l'air tellement gentil. Sir John. Ouais. Et oui, fait que Kurt, il y avait... Donald Duck. Ouais, puis je pense que, de ce que j'ai lu, je pense que quand Kurt s'en est rendu compte, il était comme... Il a pleuré. Ben, il était pas fier de lui, mais en même temps, Elton John, s'il était là, c'était pour jouer November Rain de Guns N' Roses avec Guns N' Roses. Ah. Fait que... Ça marche. Il était comme, en même temps, il était comme, bon gars, c'est correct. Et voilà. Kurt est homophobe. C'est juste ça qu'il faut retenir. C'est ça. Ouais, Kurt est homophobe. Ben. Puis il y a eu la royauté, puis la monarchie. Ouais, c'est probablement ça qu'il faut retenir. On s'en va à autre controverse, autre anecdote, autre scandale. Oh, Crazy Max. On s'en va en 1975. Aïe, 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 je m'en souviens. Avec un dénommé Lou Reed. Oh, hein, yeah. Lou Reed, qui à cette époque-là... Chanteur avait de Metallica. Non, c'est le chanteur du Velvet Underground pour les non-initiés. À l'époque, Lou Reed a quitté le Velvet Underground et il a même sorti d'excellents albums solo, entre autres Transformer, qui est pas mal son chef-d'œuvre. Peux-tu nous fredonner son hit? Parce que j'ai aucune idée. It's such a pretty for you. Oh, sinon, c'est lui qui a fait... C'est encore plus obscur. En fait, la tune de Transformer. Hey, babe. Take a walk on the wild side. Bon, merci de m'apprendre. Ben, ça me fait un grand plaisir, Alex. Alors, Lou Reed a eu un grand succès avec des albums un peu pas mal dans la vague David Bowie, là, tu sais, de la bonne pop, du glam rock. Et à ce moment-là, en 1975, on attend un petit peu de voir ce qui s'en vient. Lou Reed avait déjà sorti l'album Berlin, qui était vraiment plus sombre, qui parlait, c'était une épopée suicidaire. En tout cas, c'était très, très sombre. Fait que là, la critique, on attendait son prochain album. Et c'est là qu'il a sorti l'album Metal Machine Music. Et Julien, si tu peux nous mettre un extrait de ce qu'était Metal Machine Music. Bien sûr. Ça dure 16 minutes, je passe au début. Non, on va passer au début, mais on va comprendre. On va comprendre vite. On peut revenir. Tu peux peut-être le laisser en fond. Il y a une un petit peu. Alors voilà. Pour donner une idée, je vais l'avancer de 8 minutes. Ouais, OK. Ah! Ouais. Fait que l'album Metal Machine Music de Lou Reed, c'est une heure. C'est du progressif, c'est ça. C'est une heure de distorsion, de feedback. C'était un album double à l'époque. Album double. À l'époque, là, évidemment, la critique déteste complètement cet album-là. On pense que c'est un canular. On se dit Lou Reed, il voulait juste comme se foutre des critiques, se foutre du monde. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, il a sorti cet album-là parce qu'il fallait qu'il honore un contrat puis il avait pas le choix de sortir un album. Mais non, quand Lou Reed parle de cet album-là, lui, il l'aime vraiment. Puis, ben, honnêtement, aujourd'hui, je pense que ça passe mieux. Oui, oui, ben, aujourd'hui, on comprend. Mais aujourd'hui, c'est un album que des fois, je vais le mettre en fond. Tu sais, ça te fait comme un voyage son ambiant. Pas cher. Ouais, c'est ça. Tu m'as même, j'ai même fait des siestes là-dessus, là. Tu sais, hey c'est pas. Mais à l'époque, ça avait vraiment semé la controverse. Et Lou Reed défendait cet album-là, il disait « Ben non, moi je l'ai fait, puis j'adore cet album-là. » Il y a même Lester Bangs, dont j'ai déjà fait une chronique, qui est à mon avis le plus grand critique rock. Lui, il disait que c'était un des meilleurs albums qu'il avait jamais entendu. Enfin, un album qui avait des couilles, puis qui transcendait la musique, en fait, parce que, tu sais, c'est une immense charge. On dit même de cet album-là que c'est probablement le premier album punk. Dans le sens qu'on prend tout ce qui existe, puis on sac ça à terre, puis
on pète tout dans le fond. Fait que Metal Machine Music, Lou Reed, en 1975. Ben, ça me fait penser à l'album de Daniel Bélanger, Def La Box, qui avait sorti. Il y avait un peu le même commentaire de la part des critiques qui se demandaient si c'était une joke ou c'était comme un. Lui, il avait pogné ça en voyant un combat de boxe, un gars qui se faisait démolir. Puis là, c'était comme des bruits comme ça. Puis t'avais. Hey, là, il se fait frapper. Une gauche, une droite. Puis là, un genre de commentateur. Il y a du sampling. Sur le sampling. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, ces trucs-là, concept. Mais un peu. Moi, j'avais ce que j'ai entendu, ça ressemblait à ça. C'était le fun. Moi, j'adore ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que bref, ça avait semé une controverse. Un peu comme le dernier clip d'Éric Lapointe. Là. Brume de ta bouche. C'était votre affaire, les boys. Ben oui, à la fin, quand il écrit Love sur le sable. Oui, mais il n'est plus avec cette fille-là maintenant. Oh. Ben, c'est comme la vague qui vient effacer Love sur le sang. Oui. Autre controverse. Wow! On va parler un petit peu du groupe. On va analyser Brume dans ta bouche. Le groupe Jefferson Airplanes. À l'époque, la chanteuse de ce groupe-là, qui s'appelle Grace Slick, elle avait une vie un peu explosive, une personnalité explosive. C'est pas la chanteuse originale de ce groupe-là. Elle a remplacé Sign Anderson en 1966. Et là, vous allez voir un peu le genre de personnalité que Grace Slick pouvait avoir. Là, je vais vous lire un extrait. On dit « Tricia Nixon, fille du président Richard Nixon, et Grace Slick sont anciennes élèves du collège Finch. » Fait qu'ils ont étudié ensemble. Grace Slick est la fille de Nixon. OK? À un moment donné, Tricia va inviter Grace Slick à la Maison-Blanche. Oui. Et là, à cause des paroles de Jefferson Airplane, Grace Slick, elle est déjà fichée par le FBI. On la croit dangereuse, mais elle y va quand même. Et là, elle est invitée là-bas. Et qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de mettre du LSD dans le thé de Richard Nixon. Mais ils l'ont empêché avant de le faire. En fait, ils voulaient mettre... Je sais pas ce que ça peut représenter. On a un tout autre pays aujourd'hui. Je sais pas ce que ça peut représenter, mais elle voulait mettre 600 microgrammes de LSD dans le thé de Richard Nixon. Bon, je présume que c'est une bonne quantité. Ça doit être une très bonne quantité, mais imaginez voir le président Nixon, tu sais, symbole de la guerre du Vietnam. Ben, ça aurait peut-être tout changé l'échiquier mondial. En fait, je pense qu'il n'y aurait plus de monde aujourd'hui. Il aurait appuyé sur le bouton rouge au moins 6 fois. Ah, ben, je sais pas. À cause qu'il est rouge, le bouton. Comme disaient les Beatles, hein, ça ouvre la perception. On devient une autre personne après le LSD. Ouais. Nixon. Combien tu disais, Maxime? 600 microgrammes. Moi, j'ai dit que le minimum pour avoir un effet, c'est 102. Fait que c'est quand même pas pire. Nice. Pour vous parler encore un petit peu de Grace Slick, on dit durant la tournée européenne de Jefferson Starship, parce qu'après Jefferson Airplane, il y a eu Jefferson Starship. En 1978, l'alcoolisme de Grace Slick est devenu un problème pour le groupe. Le groupe a dû annuler la première nuit en Allemagne parce qu'elle était trop ivre pour chanter, entraînant le public à l'émeute. Okay. Elle a joué la nuit prochaine avec le groupe, mais a été tellement ivre qu'elle ne pouvait pas chanter correctement et elle a commencé à attaquer le public, se moquant du pays pour avoir perdu la Seconde Guerre mondiale. Sympathique. Hey, Max, je t'arrête, Max. J'ai menti. 102 microgrammes, c'est la plus grosse quantité que j'ai trouvée sur mon... Sur Internet. Ça va aussi bas que 19 microgrammes. Ah bon, c'est encore pire qu'à prévu. Elle l'aurait tué, finalement. Il aurait fait un voyage dimensionnel. Alors. Ça n'a aucun rapport. Il aurait quitté la dimension. Fait qu'après son spectacle en Allemagne, où elle a insulté les Allemands de ne pas avoir gagné la Deuxième Guerre mondiale, elle a quitté le groupe. Et ça en était fait de Grace Slick. J'ai même entendu parler que c'est le genre de fille que si tu vas sur son terrain, elle sort avec un gun puis elle tire. C'est mon genre de fille. Pour ça, puis j'ai oublié de dire, mais pour ceux qui connaissent pas Jefferson Airplane, c'est eux autres qui ont fait entre autres la chanson White Rabbit. Peux-tu la chantonner un peu? Boum, 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 boum. White Rabbit. Ouais. Et voilà. Ça va bien à date, les bouts de chanter. Les bouts de chanter, c'est la force de l'émission. Redonne-moi ça. Je suis très, très content. On va y aller ensuite. Ah, là, la place. Ben oui. Ben d'ailleurs, pour les... tantôt on parlait de Lou Reed. Moi, si vous voulez découvrir Lou Reed, je vous conseille fortement l'album Loulou qui a sorti avec Metallica. Ben, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une collaboration de Metallica avec Lou Reed. Puis en gros, c'est que t'as Metallica qui jam, un métal à la Metallica. Puis c'est comme s'il était dans la pièce à côté. Puis que là, t'as Lou Reed qui fait de la poésie, genre Who are you? I am old. I'm a dragon.
Mais il lit pas la poésie spécifique de quelque chose aussi? Ah, je sais pas. Julien avait déjà fait une chronique là-dessus. Ouais, fait une chronique là-dessus. Ouais. On était juste au fumoir dans le studio. C'est pas très bon. Mais ouais, c'était... magique. Non. Autre petite anecdote. Je peux en jouer un extrait, si tu veux, peut-être, pour qu'on ait une idée. Ah oui, un petit peu de moi, j'aimerais ça. Un petit extrait. Non, fredonne-le. Ça, ça aurait dû à fredonner, je pense. Je vais mettre au... Ça, on dirait grand-papa Simpson, là, c'est dur à... On dirait vraiment deux œufs qu'on essaie de faire fourrer ensemble. Ouais, ouais, ouais. Juste fait une petite couche. C'est un lapin qui couche avec un canard. Comme, dans le fond, c'est comme un mauvais porno. Ouais. Hey, ça fait pas peur à tout. Il explore. Excuse, tu me disais-tu que c'était bon? Puis celle-là, c'est la... Ouais, ouais. C'est sorti ça l'an passé, il y a deux ans. C'était ton album de l'année, je crois. Oui, oui. Ben, après Chinese Democracy, qui, qui a fait beaucoup de remous. Sinon, on va parler un peu de Ah, ben c'est quoi que tu disais à propos de Lou Reed? C'était intéressant, tu me disais ça dimanche passé, qu'il y avait comme plein d'albums. Ouais, Lou Reed. On va parler beaucoup de Lou Reed. Mais Lou Reed, qu'est-ce qu'il a fait Lou Reed? C'est qu'il veut pas qu'à sa mort, les compagnies de disques ressortent des rééditions, puis que, tu sais, dans le fond, qu'on souille son œuvre. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a comme une voûte, j'imagine, dans laquelle il y a environ 800 chansons qui sont jamais sorties. Puis il dit que même après sa mort, il y a des albums qui vont continuer à sortir. Fait que les fans les fans seront toujours sustentés. Mais là, je te parle du stock des années 70. Fait que, bon, bah, okay, bon, à l'époque, il y avait ça dans ces années-là. Fait que là, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est de toutes ces chansons-là. Mais tu sais, tu catches que le gars, il a un petit côté un petit peu... Faudrait retrouver cette truc-là. Ça a l'air que c'est le gars le plus chiant de l'industrie du rock. L'interviewer en tant que journaliste, c'est qu'il va t'insulter de A à Z. Là. Il n'a pas le goût de faire l'entrevue. Il faudrait l'inviter. Ouais, on devrait l'inviter. Ça pourrait être cool. Ben, Nicat, t'es de ça, inviter Lou Reed? Après Serge Tellier. Je vais aller voir ça, là. Bon, okay, parfait. Merci. Après Lou Reed. Après Serge Tellier, on reçoit Lou Reed. On pourrait inviter les deux. En même temps. Hey, camarados! C'est ça. I'm old. I'm a table. I'm a lagoon. Il dit ça. Hey, écoute, il dit I'm a table, à un moment donné. Bon, autre petite controverse qui existait envers deux groupes que j'adore beaucoup et que Julien, toi aussi, tu aimes. Ah. Il y a une petite chicane entre les gens des Smashing Pumpkins et le groupe Pavement. Ce sont deux groupes forts. Ça doit être déchiré en deux, ça, Max. À l'époque, j'étais plus Smashing Pumpkins. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus Pavement, mais ça me déchire quand même parce que c'est deux bons groupes. Ben oui. C'est que sur la chanson. C'est ça que Billy, je veux dire, il est en mode. Ben, je veux pas te couper la parole. Vas-y. Mais Billy, pas dans mauvais terme avec tout le monde. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'impression que je m'entendrais bien avec Billy Corgan. Ben, lui, il a un gros ego. Les gars de Pavement, je pense que c'est plus des jeunes. Ah, c'est ça. Ils sont des chill dudes. Je l'ai vu en entrevue dernièrement, puis ça s'est pas amélioré. Hein. Il va pas mieux. Ah non. Non, Billy? Il est encore. Je veux être Cobain à la place de Cobain. Ah ouais. Il est rongé, là, un peu. Il a travaillé avec Sasha Gray, un peu. Il est triste. Il a travaillé avec Sasha Gray? Ouais. En quel honneur? Ben, j'ai lu qu'il était allé au musée ensemble. C'est vrai que les deux essayaient de se remonter. Ben oui. Il a aussi fréquenté Jessica Simpson et Tila Tequila. Alors, voyons donc. C'est vrai, Tila Tequila. Ouais, ouais. Célib et Bi. C'était bon cette émission-là. C'était très bon. C'était très bon. Fait que je reviens à Smashing Pumpkins et Pavement. Sur la chanson de Pavement qui s'appelle Range Life, Pavement parle entre autres de leur expérience quand ils ont fait la tournée Lollapalooza en 1994. Et un moment donné, il y a les paroles suivantes qui dit Out on tour with the Smashing Pumpkins, Nature Kids, I don't have no function. I don't understand what they mean, and I could really give a fuck. Yeah. Non, mais c'est sympathique. Ouais. Et là, évidemment, ça a semé un froid entre les deux groupes. Ça peut être quand même de l'humour. Billy Corgan a dit, moi, je continue pas la tournée si Pavement est encore dans la tournée Lollapalooza. Ouais. Fait que je pense que Pavement a quitté à ce moment-là. Ah, parce qu'il était gros en 94, Smashing Pumpkins. Oui. Et encore aujourd'hui, il y a encore des prises de bec. Là. Exemple, quand Billy Corgan a reformé les Smashing Pumpkins, Stephen Malkmus de Pavement a dit c'est pour faire du cash, Quand Pavement est revenu, Billy Corgan a dit bon, c'est pour faire du cash, Parce qu'en plus, Pavement joue juste des vieilles tunes. Ouais, exact. Même qu'ils ont des nouveaux albums. Exact. Fait que de ce côté-là, les Smashing sont un peu plus cool. Mais voilà. Autre petite controverse, il m'en reste deux. On s'en va en 1974 avec un groupe que j'adore, qui est peut-être mon groupe préféré, les Stooges de avec Iggy Pop. Ils ont fait un show, la formation originale, en 1974.
Attends un peu. C'est ça. En 1974, ils ont fait un show devant une bande de mentors. Et semble-t-il que les mentors n'aiment pas du tout à l'époque la musique des Stooges. Ah, ils aimaient quoi, le disco? Hein? Ils aimaient le disco? Et, ben, ils aimaient, tu sais, un peu comme aujourd'hui, là, j'imagine que c'est un groupe un peu expérimental, puis que tu vas jouer devant des mentors, ils aimeront pas ça. Ouais, ils aiment mieux Éric Lapointe. Ouais. Tu comprends? Fait que t'as Iggy Pop qui fait son show, et là, plus ça va, plus ça s'insulte. Entre les chansons, il fait rien que traiter les mentors de pricks. Puis à un certain moment, t'entends des canettes de bière qui revolent ses guitares. Fait que ça s'avère vraiment, là, ça revire au complet chaos. Et c'est le dernier spectacle que les Stooges ont fait ensemble. Après ça, ils se sont séparés. Et avant de revenir, là, je pense que c'était en 2002 qu'ils ont fait un retour. Mais sinon, ça a mis fin un peu à la... C'est peut-être pas cet événement-là qui a mis fin au groupe, mais ça a été leur dernier spectacle. Ils se sont dit « Bon, ben les canettes de bière. Ouais. » Et ça a donné un album. Fait qu'on peut l'entendre, on peut même l'acheter. Ça s'appelle « Metallic KO ». Et voilà, ça peut s'entendre. Puis t'entends vraiment toute la rage, la violence. C'est vraiment... Guy, on dirait qu'il se nourrit de la haine de son auditoire. Puis écoute, c'est absolument débile. Ah, c'est ça. Si t'entends les Stooges live, c'est là que ça se passe. Ah, OK. Ouais. Et dernière, anecdote que je trouve vraiment débile. On s'en va avec le groupe Funkadelic en 1971 qui sortait l'album Maggot Brain. OK? Funkadelic, là, le leader, c'est George Clinton, qui est un peu comme un dieu du funk, là, qu'on pourrait dire. Comme on pourrait dire. Ouais. Et là, bon, on va commencer. Le titre de l'album Maggot Brain, il y en a beaucoup qui disaient que c'était le surnom du guitariste Eddie Hazel. Et il y en a d'autres qui disent que c'est une référence parce que George Clinton avait découvert le cadavre de son frère qui était plein qui était en pleine décomposition, d'ailleurs. Ouais. Fait que là, on sait pas. Est-ce que c'est le surnom du guitariste Eddie Hazel ou l'état décomposé de son frère, on sait pas. C'est une métaphore ou c'est littéral. Voilà. Mais bref, l'album s'appelle Maggot Brain et l'album ouvre sur la pièce Maggot Brain, qui est une longue plainte à la guitare, un long solo de guitare d'à peu près 10 minutes. Et là, pour avoir l'effet du solo de la longue plainte, ça prend 600 la légende de... dit, et là ça je trouve ça malade, la légende dit que George Clinton et Eddie Hazel ont fait du LSD. Et pendant qu'il était sous l'emprise du LSD, George Clinton aurait dit au guitariste que sa mère était morte. Oui. Et là, il serait allé jouer un solo. Puis par la suite, il aurait dit que c'était pas vrai. Ah, mais imagine, t'es sur l'LSD. Oui. C'est assez chiant. Tu fais croire au gars que sa mère est morte. Mais je vais l'essayer, ça, je pense. Ça, c'est une version de l'histoire. L'autre version, c'est qu'il aurait simplement dit... Et là, on sait pas laquelle est vraie. Dans les sources, là, les deux versions, c'est soit ça où il a juste dit « joue comme si ta mère était morte » sur l'LSD. OK, c'est la version soft de l'histoire. C'est la version soft. J'aime mieux l'autre. C'est pour ça que je l'ai raconté en premier. Et là, on va écouter un peu qu'est-ce que ça a donné. Tu peux partir à 40 secondes, parce que c'est le temps que ça parte. Fait que là, le gars est sur le LSD. Sa mère est morte. Sa mère est morte. On l'entend, oui. Ouais. Ben, c'est bon, ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est triste. C'est vrai. Ouais, cette chanson-là, c'est devenu... Cette chanson-là, c'est devenu un peu l'hymne de ce groupe-là. D'habitude, eux autres font du gros funk, là, vraiment, même psychédélique, ça bouge. Puis ça, c'est leur morceau là, hyper calme, puis... Ouais. Imagine, t'es sur le LSD et ta mère vient de mourir, là, c'est pas hot. Non, c'est pas le fun. Et voilà, c'est ce qui met fin à Crazy Max! Crazy Max! Max! À toutes les mères mortes qui nous écoutent! Ah, ben, moi, j'ai un lien. Avant de faire ma chronique, j'en ai une anecdote, moi aussi, que je fais longtemps que je voulais plugger à l'émission. En plus, ça va faire un lien avec ma chronique. Ok, vas-y. On va quasiment avoir l'air de faire de la vraie radio. Non, je pense qu'on y arrive, là, tranquillement. Tu peux laisser ça en background si tu veux. Oh, ça, je voulais faire. Yeah. Ben, moi, c'est une anecdote avec. Je suis un grand fan des White Stripes et de Sir Jack White. De Third. Et il est arrivé au début de la carrière de Jack White en 2003. Il y avait le chanteur des Von Bundys à l'époque à Détroit, Jason Stolzmeyer, il l'aimait pas, Jack White puis les White Stripes. Fait que, il était tout le temps en train de dire de la merde sur eux autres. Je pense qu'il y avait une émission de radio ou une chronique ou je me souviens plus trop. Puis il était tout le temps en train de le descendre. Fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans le même party. Puis Jack White est un gars assez. Il a un tempérament assez bouillant. Puis il est assez imprévisible. Comme gars, fait que il a décidé tout bonnement d'y casser la gueule. Fait que, mais il y a des photos sur internet où l'autre gars est assez détruit du visage. Et ça, ben, ça fait que Jack White. Dans sa carrière. Ouais, c'est exactement. C'est en décomposition. Et Jack White est obligé de payer une amende de seulement 500$ quand même. Mais d'assister à des réunions de gestion de sa colère. Je trouve ça bizarre de la part de Jack White. Jack White, qui est quand même, je crois, un grand catholique, un grand chrétien. Je trouve ça bizarre, ce.
Tu sais, puis il est très exemple, il sac pas dans ses chansons. Ouais, mais les croisés aussi, ils étaient très catholiques. Ouais, ah, ça, c'est vrai. C'est pas toi qui en avais parlé de ça? Oui, 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 j'en la croisade des gueux. Ben oui. Et ça, ben, ça m'amène à ma chronique. Fait que si tu veux mettre mon thème, Julien, ah, ben, t'as okay. bien beau. Parce que ah, ben. Je l'ai fait avec amour. Si tu veux mettre ton thème, je suis bien beau. J'aime bien le mix. Ouais. Ben c'est ça, je prévoyais pas faire cette chronique là là, mais puisque l'anecdote m'y amène, je vais te demander, Julien, OK, inhabituellement, de partir la chanson que j'ai mis, celle la version de Blind Willie McTell. La chanson s'intitule Your Southern Can Is Mine. On va écouter la chanson, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé qu'on allait écouter cette chanson-là. C'est bien intéressant. On l'écoute au complet, oui. Avec les micros fermés, puis on fait juste écouter à tout. Ouais. OK. C'est une pause musicale en même temps. Pause musicale, les amis. On se rejoint dans 3 minutes. Now look at you, mama, let me tell you this. If you want to get crooked, I'm gonna give you my best. You might read from Revelation. Back to Genesee, you get crooked, your southern can belong to me. Ain't no need you bringing no jive to me, cause your southern can is mine. Might go uptown, have a rest and have me put in jail. Now watch out, got money coming and go my bail. Soon as I get out, hit the ground, your southern can worth $2 half a pound. Ain't no need you bringing no stuff to me, because your southern can is mine. You might take it from the south, you might carry it up home. Understand you can't rule and either be my boss. Take it from the east, hide it in the west. But when I get it, mama, you can't won't see no rest. Ain't no need you bringing no stuff to me, because your southern can is mine. I eat in the morning, southern can belong to me. I'm not dreaming, your southern can belong to me. I'll ashes to ashes, mama, and sand to sand. Every time I hit it, you think I got a dozen hands. Give you a punch through that barbed wire fence. Every time I hit it, you say I ain't got no sense. Ain't no need you bringing no stuff to me, because your southern can is mine, every bit of it. Southern can belong to me. Get me a brick out of my backyard. Give you the devil if you act kind of hard. Ain't no need you bringing no jive here, honey, because your southern can is mine. You get me crying. Your southern can belong to me. Spank a little bit, boy. Oh, your southern can is mine. Now if I catch your mama down in the heart of town, take me a brand new brick and tell you can't on down. Ain't no need you bringing no stuff to me, because your southern can belong to me. I'm talking to you, your southern can belong to me. You may be deathbed sick as mama and graveyard bound. Make your can mourn like a hound. Ain't no need you bringing no stuff to me, because your southern can is mine. You get me talking, southern can belong to me. Oh, spank it like that. Anyway, Ruth and me like it. Oh, your southern can is mine. Sit down steady with your eyes all red. What I said, get your grandma dead. Ain't no need you bringing no jive to me, because your southern can is mine. Oh, you got to stop your poking and raising the deuce. I'll grab your mama and turn you every way but loose. Ain't no need you bringing no jive, honey, because your southern can belong to me. Every bit of it, southern can belong to me. Oh, pull it, boy, that's the way people like that thing. Ain't no need you bringing no jar here, honey, cause your southern can is mine. If you hear me talking, your southern can belong to me. You might twist it like a tadpole, let it jump like a frog, but every time I hit it, you gonna holler, God, that hoe. Ain't no need you bringing no jar here, honey, cause your southern can is mine. You hear me talking, southern can belong to me. I play it a little bit and whoop it. Oh, shit, I'll play that thing, boy. Southern can belong to me. Bonjour, ici Marc Labrèche, et j'écoute des sidérés. Maintenant, je m'en vais tourner Mathusalem 3. Ciao! Voilà. Ah, là, on est revenu. Marc Labrèche qui sonne un peu comme Jean-Pierre Fernand. Fernand, c'est ça. On va dire, puis le requin de jazz. Hey, t'avais une bonne anecdote pendant qu'on écoutait la chanson, ouais, Alex. On écoutait les beefs de Ben tantôt. Ça m'a fait penser à Marie-Michel Desrosiers puis ouais. Michel Rivard, que c'était la haine, dans le fond. Ah, oh, une passe... Back in the days, ouais, je pense qu'à Rouen... Ça elle fait avait... longtemps. Ouais, ouais, là, depuis le temps, ils se sont réconciliés. Elle avait caché son pic. En Abitibi, je pense.
Quand même, faut le faire. Ouais, mais c'est les bands. C'est quoi déjà le nom du band? Les Blues Dommage. Beau Dommage, oui, voilà. Mélanger avec Styx. On a nos histoires, nous aussi, hein. Alors, vas-y, Mathieu. On a le droit. La raison pour laquelle on écoutait cette chanson-là, c'est qu'il y a une petite anecdote fort intéressante par rapport à ça qui m'a fait apprendre plein de choses. En général, sur la vie, j'espère. La chanson s'appelle donc « Your Southern Can Is Mine » ou en traduction libre « Ton cul est à moi ». En gros, c'est ça que ça veut dire. Ton petit cul, tu dis, c'est à moi. La chanson a été écrite pour la première fois en 1927, pendant la ségrégation, donc par un certain Blind Willie McTell, un chanteur aveugle de ragtime. Ça, le ragtime, c'est de la musique qu'on vient d'entendre, c'est de la musique assez déconstruite avec des contretemps, tout ça. C'est très dynamique. Et à l'époque, la chanson Your Southern Can Is Mine, en gros, parle d'un gars qui menace sa femme de la fesser d'en face, constamment, et en lui disant « Si jamais tu vas me dénoncer à la police, je connais du monde, je vais sortir de prison, puis je vais venir te recalisser mon poing d'en face. » C'est un peu précurseur de « Move, bitch, get out of the way. » C'est la genèse. Oui, sauf que l'affaire qui s'est perdue aujourd'hui et qui est très dommage, c'est qu'à l'époque, les gens écrivaient des chansons comme ça qui semblent pour nous aujourd'hui complètement immorales et sexistes. Oui. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les gens... n'avaient pas le droit. L'homme blanc ne tolérait pas que, premièrement, l'homme noir soit un artiste, l'homme noir fasse de la musique ou quoi que ce soit. Sauf, il y avait dans la hiérarchie, la femme était à peu près au même niveau que l'homme noir. Fait que si l'homme noir décidait de chanter une chanson qui blastait les filles, le bon redneck américain, lui, il trouvait ça drôle. Fait qu'il tolérait ça. Fait que la façon pour les Afro-Américains de l'époque de dénoncer les conditions dans lesquelles ils étaient traités sans se faire tuer immédiatement. Parce qu'ils pouvaient pas dire on est maltraité, on est des noirs, on se fait prendre pour inférieur aux blancs. Ça se disait pas. Exactement, ça se disait pas. Et évidemment, ils allaient se faire tuer sans plus de préambule. Fait que il y a eu beaucoup, beaucoup de chansons de cette période-là qui est sortie, qui nous semble contre les femmes puis ultra sexiste, écrites par des Noirs. Mais en fait, quand tu écoutes cette chanson-là, quand tu lis les paroles, remplace tout le temps la femme par l'homme noir dans cette situation-là. L'homme blanc reste toujours à la même place. Ouais. Mais là, ce qui était drôle, c'est que l'homme blanc tripait sur Blind Willie McTell. Il l'invitait, il faisait des shows, c'était un héros, tout ça. Il riait de bon cœur en pensant qu'il riait tout le monde ensemble. Mais finalement, l'homme blanc se faisait rire en pleine face par le grand Blind Willie McTell. Ah. Et moi, j'ai découvert cette chanson-là... Ça brosse. Pendant que, justement, j'étais juste sur le point de fesser mon... Non, non. Point de fesser Maxime. J'ai découvert ça par les White Stripes, qui ont repris cette chanson-là. D'ailleurs, on peut peut-être en faire jouer un extrait pendant qu'on avait un extrait justement ici. Par hasard. C'est une version moins syncopée que la version de Blind Willie McTell. C'est plus droit. Un petit peu moins longue aussi, moins de paroles. Mais c'est un bel hommage. Puis c'est de par là que, en lisant les paroles de cette chanson-là, que je savais pas que c'était une reprise, je me suis dit que je me demandais comment ça fait que cette chanson-là avait passé sous le radar de tout le monde. Ouais, ouais. Sans que personne fasse, ben voyons. Ben oui. C'est Jack qui parle à Meg. Ouais, c'est ça. Bon, en plus. Une volée. En plus, ça date d'un vieil album. Puis à l'époque, il était encore mari et femme. Là, ou je pensais qu'il était frère et sœur. C'est ça que je trouvais. Ouais, ils ont joué. C'est la légende. Après, comme ils se frenchent à TV, son frère et sœur, c'est dégueulasse. Ils viennent du sud. Fait que c'est pas très grave. Ça passe. Je pensais qu'il était britannique. Mais parlant de tout ça, la ségrégation, tout là. Moi, je suis allé voir Django. Cette semaine, un peu en retard de tout le monde, puis j'ai trouvé ça incroyablement raciste comme film. Ben, c'est un film sur une époque raciste. Ben oui, mais c'est pas un film pareil. Raciste. J'ai trouvé ça. Et les Noirs, ils vont les appeler les nègres. C'est vrai. Le long du film. Ils ont les Quentin Tarantino. Oui, c'est un de ses mots préférés. Ouais. Ils font se battre. Ah. C'est dégueulasse. Moi, je peux pas croire que ce film-là passe au cinéma puis que les gens payent pour aller voir un film raciste. C'est pas un film raciste, ça dénonce le racisme. Ben, je pense que ça dépend à quel degré tu prends. Ben, Crazy Max. Hey, je vous niaise, les gars, je vous niaise. Ah! Je te demandais, you Crazy Max. Il est là, Crazy comédien. Max. Mais là, je suis en train de couper la chronique à Max. Ben oui, non, mais c'est pas grave. Okay, ben, Django est un film raciste. Ça m'a permis de faire, parce que c'est ça, tantôt, quand je suis venu pour vous expliquer les paroles, je me rappelais plus, parce que c'est une petite histoire en même temps. Oui. Fait que l'histoire, c'est bon, c'est ça, c'est un couple. Je vais vous raconter ça bien, bien, de façon très narrative, disons.
Bon, c'est un gars, un couple, un homme et une femme. Puis là, ben, ça va pas trop bien. Il s'ostine un peu. Puis là, le gars, il dit, si t'arrêtes pas, je vais te donner un coup de poing. Là, la fille, elle arrête pas. Fait que là, le gars, il donne un coup de poing. Là, la fille, elle a peur, elle s'en va voir les policiers. Là, il dit, arrêtez mon mari, il m'a donné un coup de poing. Là, il se fait arrêter, mais là, il y a un gars qu'il connaît qui est riche, fait qu'il paye sa caution. Fait que lui, ben, il revient, puis il redonne un coup de poing à sa femme. Mais là, je sais plus si on s'est encore marié là, à ce moment-là de l'histoire. Ouais. Là, après ça, il dit, elle sauve, elle va essayer de se cacher. Lui, il dit, tu peux pas te cacher contre moi, je vais te retrouver. Et elle retrouve. Donne un coup de poing. Elle redonne un autre coup de poing. Après ça, il se fait arrêter encore. Puis là, lui, il dit, viens me voir en prison. Si tu viens me voir en prison, je vais te donner un coup de poing à travers la clôture barbelée. Mais c'est raciste, ça. Ben oui, c'est très raciste. Puis là, après ça, il dit, même que je sors, je vais trouver une brique dans la prison, puis je vais te donner un coup de brique. Ben là, je vais te donner un coup de brique. Puis là, après ça, il dit, tu vas te sauver dans la ville, puis je vais te poursuivre dans la ville, puis je vais te redonner un coup de brique. Mais là, il a l'air de te donner un coup de brique dans les fesses. C'est ça qui est écrit. Ah, ben c'est ça le punch. Puis non, à la fin. C'est ça le punch. C'est la chute. À la fin, il dit, fais bien attention à toi parce que t'es sur le bord du cimetière. Je vais te faire crier comme un chien. Ben voyons. De cimetière. C'est du Lil Wayne. Ça, c'est les paroles de. C'est du Eminem. Ça ressemble à Kim, ouais. Ouais, un peu, ouais. C'est un peu comme Kim. On pourrait jouer Kim. Voilà. Puis toute l'information que je vous ai dit tantôt à propos de la ségrégation, puis tout, ça, c'est sur un commentaire. Sur une page où est-ce qu'il y a les paroles de la chanson. Okay. Ça finit en disant « Of course, I may be totally wrong. » Fait que je sais pas si c'est ce que je vous ai dit à propos de la ségrégation puis tout. Je sais pas si c'est vrai. Ça, c'est ma tête qui vient d'exploser. J'ai essayé de faire plus de recherches puis il y a personne d'autre. Mais mais moi, je trouve que ça a bien du sens. Fait que c'est une théorie. C'est sur les femmes, vraiment. Ben, je sais pas. Ben, je peux pas croire, tu sais. Mais non, mais je peux. Moi, je trouve que la théorie, elle se défend au bout. Ouais, ça se peut. Vous avez tout, ouais, tout cru, là, aveuglément, là. Ouais. Tu sais, puis j'hésitais un peu, je vais vous. Ben, si les White Stripes ont repris. Ouais, c'est ça, puis je vais être franc avec vous autres, gang. J'hésitais à vous le dire, ça, que j'étais pas sûr si c'était vrai, parce que je voulais que vous m'aimiez. Oh. On t'aime pas pareil. C'est sûr que ça va prendre pas mal plus que ça, ça Mathieu. Change pas, C'est sûr que Crazy Max, en ce moment, il sait plus quoi penser. Je sais que la confiance, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à bâtir, puis ça peut se détruire en fraction de seconde. Ben moi, je me demande, à l'époque, je disais que il y avait l'homme blanc, en dessous, t'avais le noir. Il y avait Mathieu, le menteur. La femme, ouais. Mais la femme noire, dans le temps, ouais, ben, ça devait être... C'était en bas de la pyramide. Il y a pas de toune là-dessus? L'homme est une loutre pour l'homme. C'est le nouveau mot d'ordre. Imaginez une femme clown noire. Ben moi, je me ferais ça. Alex, est-ce que toi, tu coucherais avec une femme clown noire? Alex? Si je m'ouvre, ça finira, ça va être dégueulasse. Ben moi, noir, pas noir, je m'en fous. Moi, je reviens sur mon point qu'une fille clown, à base... Ben, je sais pas que c'est un fétiche que j'ai, là, mais juste que c'est quelque chose que t'aimerais explorer. Ben, juste que, tu sais, je regardais la fille hier, puis je me disais, il me semble que ça pourrait être drôle, là, ça pourrait être... Ouais, mais Julien, je vais te demander une question. Est-ce qu'elle avait une jupe courte et des bas rayés? Ouais. Ah, ben, ça, c'est encore ton amour des petites punks gothiques. Ouais, exact. On vient d'aller au fond de la chose. Alors, des bas rayés, une jupe courte, voilà, Julien. Ben, aller au fond de sa chose, en tout cas. Ben moi, je pense qu'il y a deux des choses les plus fun. Julien. Oui, ben, il écoute ça avec sa blonde, l'émission, ça va être beau, là. Ben, ouais. elle écoutera de son côté, puis on en discutera ensuite. Vous en jaserez dans la douche pendant que tu y pètes dessus dans la douche. Pas dessus dans la douche. C'est Mascotte qui a dit ça. Ben oui, mais il est pas là dans ma douche, il sait pas ce qui se passe. Fait que voilà. C'était des sidérés. Ça finit. 95 émissions. Ça va bien. On va terminer avec une petite anecdote. J'arrive dans un parking comme Nicolas pendant quelques années. Puis il n'y a pas beaucoup de personnalités publiques qui sont venues. Il y en a deux. Il y a Chantal Lamar qui a de la misère à savoir comment que les bons fonctionnaient du labé. Il y avait du poignet d'air, ça devait être drôle. Non, elle était super gentille, honnêtement, Chantal. On la salue. Et il y avait Claude Robinson.
Oh! Qui est venu. Puis, qui est en Cour suprême, là. Qui est en, ben, alors, c'est pour ça que. Il a gagné. C'est pour ça que. Non, non, il n'a pas gagné. Il a gagné. Il a gagné 5,2 millions. Wow. Non, non, ça, c'est un texte de 2009. Ouais, tout le monde a partagé un texte sur Facebook. On ne peut pas faire confiance. J'ai vu ça à job vite, vite passer, là. Alors, puis, ben, c'est ça. Lui, il est passé au parking. Je l'ai reconnu. Fait que je vais vous faire notre échange qu'on a eu. Oui, d'accord. Voilà. Fait que là, il ne faut pas m'interrompre. Les silences sont voulus. OK. D'accord. Voilà. Ah, je vous reconnais, vous? Oh, ben oui. Ça va faire 14$? Oui. En tout cas, je suis votre histoire depuis... j'ai vu ça au franc-tireur, ça fait longtemps. Oh, ça doit bien faire 15 ans. Fait beau, hein? Ouais, on est bien. Ben merci et bonne chance, hein? Merci. C'était l'échange que j'ai avec Claude Robinson. Aïe, aïe. T'aurais eu le pouvoir de lui donner le parking gratuit. J'aurais... Puis je me sentais tellement mal. Parce que j'aurais très bien pu le laisser partir sans payer, mais j'y ai juste pas pensé. Ouais. Robin son sucroé avait promis de raconter sa vie sur une tête de désert. Il avait trouvé l'endroit rêvé. D'ailleurs, justement, une des défenses des mauvais coups, c'est trouvé qu'il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson t'a des ennuis, heureusement, il y a mercredi. Il y a mercredi.